Good morning, Aliden, le sur aujourd'hui le Nishmat Machlouf Micha ben Masouda Rivka bat Levi Yitzhak, Avraham Chayin Orber ben Forgé, Mazal Dov ben Yudit et Nissan ben Mefred. Si vous souhaitez aussi des liens, une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions la Sechet Midot. Peri Gimel Mishnah Chet. Uklunsot shel Erez hayu kevu'in mikotlo shel Echal lekotlo shel Ulam, kedei shel Oiv At, veshar sherot shel Zahav hayu kevu'in betikrat Ulam, shebein pirchei keuna, olin veroim et ha'atarot. שנאמר והעטרות תהיה לחלם מולטוביה ולידעיה ולכן בין צפניה לזיכון בהיכל השם. גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי כלונסאות או כלונסות יותר נכון. כל מי שהוא מתנדב עלה או גרגיר או אשכול מביא ביתו לבא. אמר בלעזר ברב צדוק מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים et on commence à expliquer. Il y avait des poutres de cèdre qui étaient fixées depuis le mur du Echal, les Kotlo Shalolam jusqu'au mur du Ulam. C'est-à-dire, on continue, ouais, depuis le début du Pérec, on est entré dans la Zara, on a expliqué les plans du Misbéach, combien de place ça occupe, on s'intéressait à l'entre Misbéach et Echal, qu'on avait donc avec essentiellement des escaliers, là c'était la Mishnah. Vav, si je ne me trompe pas, entre parenthèses quand même, de vue qu'après coup, on a expliqué la Mishnah d'une certaine manière, ouais, qu'on avait étudié les escaliers. C'était pas, il y avait 3, 2, et puis après il y avait 5, et je vous avais dit qu'il y avait un dessin du Tiferet Israël qui induisait en erreur, c'est un autre avis. Dans la Choveret qu'on vous avait envoyé, ouvrez-la, cherchez le dessin, vous allez voir qu'on a les escaliers selon l'autre avis. Je referme la parenthèse, selon qui les fait juste deux par deux, et ça nous fait un sacré problème ensuite de décalage pour pouvoir passer entre le Misbéach et les escaliers. Il ne reste plus qu'une seule petite amas, alors que d'après l'autre calcul qu'on avait fait, il nous restait trois amas. Je referme la parenthèse et je continue donc mon cours. On a fini ensuite ça. Ensuite, dans la mission précédente, on s'intéressait à la porte du Echal. À présent, à la porte du Ulam. Le Ulam, c'est le hall d'entrée vers le Echal. Et puis à présent, on va s'intéresser au Ulam lui-même, depuis donc le vestibule, le hall d'entrée, jusqu'à ce qu'on arrive au Echal. Et la Mishnah m'enseigne, des colonnasot shel erez hayu kuvuin, et il y avait des poutres de cèdre qui étaient fixées, mi kotlo shel Echal, les kotlo shel Ulam. Depuis le mur du Echal jusqu'au mur du Ulam, il y avait des poutres de cèdre qui étaient là, qui maintenaient le mur. Pour quelle raison? Parce qu'un mur très haut, à l'époque avec les techniques en plus de construction, eh bien, il fallait nécessairement lui mettre des rappels pour bien le fixer, pour ne pas que le mur se mette à se déformer. D'accord? C'est un peu... On a encore... si vous avez des armoires, des fois, on a des armoires très simples. Juste des planches, quoi, posées. Et puis, selon le poids du livre, eh bien, ça va faire que l'armoire, elle va s'affaisser, elle va se déformer. Le moyen, la solution pour qu'elle reste droite, c'est justement de la fixer avec, au milieu, des planches qu'on va bien fixer sur le côté. Même principe avec au Beth Amikdash, pour ne pas que les murs s'affaissent, se courbe, eh bien, il fallait mettre des poutres de temps en temps. Ok ? Kedé Shelo Ivat, pour que le mur ne se déforme pas. Maintenant, précision super importante, on a déjà soulevé dans la Misha précédente la grande question, qu'on n'a pas le droit de planter du bois dans le Beth Amikdash. On avait la question qui se fait poser derrière, dans la Misha précédente, avec les poutres qui sortaient au-dessus de la porte du Echal, et puis maintenant, on a la même question qui se pose de nouveau, tu me mets des poutres dans l'autre sens. Alors, la réponse du Gaon de Vilna d'abord, parce que là, c'est la même. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, il a parlé ici, il n'a pas parlé dans la mission précédente, mais ça revient au même. C'est de répondre que tant que tu mets les poutres de bois à l'horizontale, pas dans le sens qu'elles poussent, mais plutôt à l'horizontale, eh bien, il n'y a plus d'interdit. Ça, c'est son avis. Pour le Tosot Yom Tov, il y a une autre réponse. Et je rectifie une deuxième erreur. Une autre erreur que je vous ai dit hier dans la mission précédente, ce n'est pas une grave erreur, mais quand même, il vaut mieux préciser. En fait, hier, on avait posé la question comment les poutres qu'on mettait au-dessus de la porte les étaient en bois, ça pose un problème. On a répondu selon le Tosot Yom Tov qu'elles n'étaient pas vraiment fixées. Je me suis trompé, j'ai lu la réponse du Tosot Yom Tov sur notre Mishnah Chet, pas sur la Mishnah Zayin. Il y a la même question qui se pose. Le Tosot Yom Tov répond, comme ce que je dis dans la Mishnah Zayin, il répond dans la Mishnah Chet, mais pour la Mishnah Zayin, il a une autre réponse. C'est qu'en fait, les poutres qui étaient au-dessus de la porte, elles étaient incrustées, justement, bien profondément dans le mur, et elle ne dépassait pas. Puisqu'elle ne dépassait pas, c'était permis. Ça, c'était pour la Mishnah précédente. Maintenant, pour cette Mishnah, alors on a, pour notre Mishnah maintenant, pour les poutres qui empêchent que les murs se déforment, alors le Tosot Yom Tov repose de nouveau la question,
tu n'as pas le droit de planter du bois. Et il va nous répondre que cette fois-ci, elles n'étaient pas vraiment plantées, elles étaient juste bien calées pour que le mur ne se déforme pas. Voilà. Ça, c'était pour la première partie, donc les poutres qui relient ce mur-là, du Olam, au mur du Echal. Et on continue la Mishnah. Vécharcherot, Shelzaav, Ayukvouin, Betikrat, Aoulam. Maintenant, dans le Olam, dans ce hall d'entrée, c'était qu'une sorte de vestibule pour pouvoir entrer vers le Echal. Eh bien, sache qu'il y avait des décorations merveilleuses là-bas. Il y avait une charcherot, Shelzaav, il y avait des chaînes en or, Ayukvouin, qui étaient fixées, Betikrat, Aoulam, dans le plafond du Olam, de ce hall. Il y avait des belles chaînes en or qui descendaient. Ça devait être très impressionnant. Chez Bahen, Pirre Keuna, et sur ces chaînes-là, il y avait les Pirre Keuna, les petits jeunes Kohanim. Olin Veroin et Atarot, ils s'amusaient à les attraper et à grimper pour voir les fenêtres plus haut. Il y avait des Atarot. Des Atarot, c'était des sortes de, comment dire, des sortes de dômes au-dessus des fenêtres du Echal, qui étaient en or et qui avaient une forme de couronne. Comme le pasuk nous dit, ve'atarot tiye lechelem ultovia, velidaya ou lechen ben sfania, les ikaron be'echal Hashem. Et les atarot, on parle dans Zecharia, dans la reconstruction du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, qu'il y avait là-bas des bons juifs, je ne sais pas qui ils étaient, il y avait chelem tovia, yedaya et chen ben sfania, que eux-mêmes ont fait don de ces atarot, de ces couronnes, de ces dômes au-dessus du Beth Amikdash. Du coup, ils ont eu le droit d'être, ils ont eu le mérite que pour l'éternité, on les appelait les atarot, les couronnes que eux-mêmes avaient fait don. Et voilà. Ça, c'était pour ça. Donc le Kohanim utilisait, les petits jeunes Kohanim s'amusaient à grimper sur ces chaînes pour pouvoir monter et regarder de plus près les belles atarot. Et la Mishnah continue à me dire maintenant. Bon, on a fini de décrire la porte d'entrée, on a parlé des poutres, on a parlé des petites chaînettes qui descendaient du plafond. Et maintenant, on va s'approcher de l'entrée du Olam, du Echal maintenant. Et Gefen shel Zahav aita omedet al pitro shel Echal. Il y avait un arbre, une vigne, un arbre de vigne qui était entièrement en or, qui se tenait à la porte du Echal. C'était une très jolie sculpture. Ils avaient fait une. Avec de l'or, ils avaient fait une sorte de vigne qui était, vous savez bien la vigne quand elle pousse, la vigne elle monte pas d'elle-même. C'est un arbre qui a le bois très faible. Il a des beaux fruits, mais il a un bois vraiment de très très mou et très petit. Donc du coup, pour que la vigne puisse malgré tout s'élever, alors on leur fait ce qu'on appelle des soukotes anavim dans la Torah. On leur fait des petites cabanes de vin pour que de manière à ce que c'est un végétal grimpant. La vigne. Donc du coup, on lui met ce qu'on appelle, en hébreu, on appelle ça les hadlot, les madléoto. Toujours, on verra dans le chasse, on parle que madlé, comme ça maintenant, on parle au moudla le gabé kulonsaot. On lui met un cadre de manière à ce que la vigne va pouvoir grimper et va pouvoir s'étaler, comme ça, ça va nous faire comme une petite souka. D'accord? Et bien, même principe aussi, de nouveau, dans la jolie sculpture de la vigne là qu'on a fait à l'entrée du Echal, et bien, on a fait en sorte que la vigne ait une forme. Qu'elle s'étale en fait sur des clownsot, de nouveau sur des poteaux en bois, avec la même question qui revient à la charge, et la réponse, de nouveau, des zénobinyan. De nouveau, c'est pas un binyan, c'était pas fixé, c'était juste là en décoration. Donc en fait, on avait des poutres, des petits tasseaux de bois, sur lesquels maintenant on avait cette vigne en or qui était étalée. Et quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec cette petite vigne en or? Ou Moudlal Gabé Klonasot, et elle était donc étendue au-dessus des tasseaux de bois. Kol Michou Mitnadev allait, tout celui qui voulait faire un don au Beth Amikdash pour le Echal, de faire un don d'or. Eh bien, c'est très simple, je dis d'abord l'oral, après on verra dans les mots. Eh bien, c'est un peu trop simple que chacun va venir donner de l'or. Non. Tu vas prendre l'or et tu vas en faire selon la taille. Soit une petite feuille, soit tu vas en faire un petit raisin, soit tu vas en faire encore une grappe de raisin si tu veux faire beaucoup. Et tu les amènes au Beth Amikdash, et puis on va les accrocher sur cette vigne. C'est ça ton don, de manière à ce que si un jour on a besoin de l'or pour couvrir les murs du Echal, comme ce qu'on verra que les murs du Echal étaient entièrement en or, il y a eu un trou, il y a eu un problème quelconque quelque part, eh bien on va prendre de cette vigne, on va cueillir des fruits, la poule aux œufs d'or et la vigne au raisin d'or, on va cueillir de ces fruits-là,
et on va les utiliser, on va les faire fondre pour pouvoir bien les fixer, les étaler sur les murs du Echal. Donc la Mishnah me dit, Kol Mishu Mitnadev, allez au Gargir au Eshkol, tout celui qui fait un don d'une feuille de raisin en or, une taille de feuille de raisin en or, ou bien un Gargir, ou bien un petit fruit, un grain de raisin, au Eshkol, une grappe de raisin, eh bien Meviv et Toleba, il vient et il l'accroche là-bas. Ouais, son nom, on va pas le mettre dans une caisse, pour le moment, on va le mettre sur cette vigne, jusqu'au jour où on va avoir besoin de récupérer de l'or pour l'utiliser, eh bien on va amener, on va le récupérer, puis on va le faire fondre, on va l'utiliser. Amar Belazar Bar Tzadok, Rabbi Elazar Bar Tzadok a dit, Maaseaya, il est arrivé une fois, Venimnu Alea Shlosh Meot Kohanim, et on a dû faire appel à 300 Kohanim pour pouvoir porter cette vigne dehors. C'est pas exact, il n'y avait pas 300, la Gemara le précise que c'était une gouzma, il a parlé un peu, comment dire, en mot français, il a parlé comme un Marseillais, il a fait grandir, il a fait grossir un petit peu, mais en tout cas, il y avait eu un jour où on avait besoin de récupérer de l'or. On appelait une bonne quantité de Kohanim pour nous aider à pouvoir la porter dehors pour récupérer tous les fruits en or. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Asacha Kol Tov. C'est là!